et bienvenue pour l'agenda de mardi. Alors, petite triade. Vraiment, vous me plaisez les béliers hein, pour ce mardi. La paix, période très positive. Vous avez de l'intelligence parce que vous arrivez à gérer de façon équilibrée. Ici, effectivement, on peut idéaliser un petit peu la situation, mais rien de dramatique, hein. Tout se passe bien, tout est en harmonie. On est très bien accompagné de la clé. Oh, on ouvre les portes, on ferme les portes que l'on veut. Ici, vraiment, on est particulièrement à l'aise. Au niveau de la famille, au niveau du bien-être, au niveau de la santé, une journée sublime. Pour nos béliers qui le méritent bien. Ouvrez les portes et fermez celles qui ne vous intéressent plus. C'est le bon moment pour le faire. Taureau. La richesse accompagnée de notre cigogne. Alors, il y a réellement ici une richesse en termes d'événements. C'est une période où tout peut vous sourire. Rappelez-vous, hier, on avait ce trèfle qui nous parlait de petits gains. Ici, on vous parle d'abondance. Argent, évidemment. Encore une possibilité de gain au jeu de hasard. Donc, allez-y. Faites un petit grattage de tickets, un petit loto, un petit ce que vous voulez. Mais la chance vous accompagne. C'est une bonne période pour vous, mes taureaux. Pour vous. Et certainement en relation avec une femme ou un homme important pour vous. Dans tous les cas, cet afflux d'abondance peut vous amener vers des situations qui vous intéressent, des déménagements, des changements, une grossesse, bref, de l'abondance. Allez-y, profitez. Gémeaux. La porte. Une porte et une lettre ici. Alors, cette porte nous parle d'un changement qui est attendu. Apparemment, c'est dans le domaine pro, c'est par rapport à une transaction financière. Ici, je dirais que c'est un virage pour vous qui va vous amener sur un nouveau cycle. On est plutôt pas mal si on parle d'investissement, d'achat, de vente. On est plutôt pas mal si on parle de travailleurs indépendants aussi. Donc, une journée pour vous. Avec cette correspondance qui va vous permettre d'aller sur une nouvelle route. Cancer. Ah, on a des doutes, mes cancers, par rapport au travail, par rapport à la famille. On est un petit peu en stress pour ce mardi. Peut-être une journée où les sentiments sont un peu flous, où on ne sait pas trop comment faire, il y a de l'instabilité, quoi. Alors, ce n'est pas amené à durer, c'est pour cette journée de mardi. Mais il est bon quand même de réfléchir à la situation et pourquoi est-ce qu'on en est là? Évidemment, vous pouvez ou donner des conseils ou en recevoir. Si vous avez besoin d'en appliquer. Eh bien, il va falloir peut-être changer d'attitude pour remédier à une situation actuelle ce mardi. Bon, ne prenez pas de décision irrévocable, hein. On laisse passer la journée et on se pose. Lion. Oh, la nécessité accompagnée du livre, des documents, du livre aussi qui peut être un livre de, je dirais, religieux, hein, ici. On est dans une situation où il y a un bouleversement malgré tout, hein, avec des conséquences certaines sur la vie personnelle. Un problème peut-être inattendu qui fait le jour cette journée. De toute façon, vous allez vous en occuper de façon sereine. Alors, je ne pense pas qu'il soit question de rupture sentimentale, hein. C'est une nouvelle plutôt de concrétisation. On est d'accord, on s'accorde, on forme ou on fait un contrat ici. C'est quand même la nécessité de se rapprocher de tout ce qui est documents, de recherche, de formation. Peut-être la nécessité, pourquoi pas, de faire une formation, hein. Mais on y réfléchit sérieusement ce mardi.
Pour les vierges, une élévation avec le choix, la décision, l'option ici, tout va dans le sens positif. Bon, on vous amène quand même des augmentations dans votre vie. Alors, pas forcément financière, mais ça va vers une amélioration, un accroissement. Si vous avez un problème, tout va se régler très vite. Donc, c'est une période propice pour placer de l'argent, par exemple, pour mettre des jalons sur une situation suite à un choix, une décision. Et ça va grandir au fur et à mesure et évoluer positivement. Balance. La carte ne veut pas venir. Ah, l'eau. L'eau qui représente quand même tout ce qui est féminin, hein. Des rapports doux, une stabilité, une sécurité dans les rapports. On vous dit de montrer davantage vos sentiments. S'il y a un petit problème, il va y avoir de l'amélioration. Mais pour cela, il faut faire un effort pour stabiliser et sécuriser des événements, afin peut-être d'amener quelque chose de pérenne, de doux, de plutôt en énergie féminine, dans des relations, dans des situations, sur les différents domaines de votre vie. On dit ce que l'on ressent et on garantit une stabilité. Scorpion. L'éternité accompagnée de la lune ici. L'harmonie est présente. Vous pouvez voir loin. Vous avez la chance aujourd'hui d'obtenir ce que vous désirez. Donc vous pouvez vous montrer satisfait, évidemment. Si vous avez quelques difficultés, rien à craindre, il y a une solution qui va arriver. Ça se passe au sein du foyer pour vous, par rapport à la famille aussi, pourquoi pas, par rapport à un bien du patrimoine. C'est aussi, pourquoi pas, encore, une possibilité comme ça d'obtenir ce que vous voulez de la part d'une administration. Donc une belle journée de mardi pour nos scorpions. Sagittaire. La protection. C'est beau ça. Franchement, la bonne étoile, le guide. S'il y a un problème, là, il y a la réconciliation, l'arrangement, il n'y a rien à craindre, tout va bien. Aucun secteur de votre vie se trouve perturbé. Vous êtes protégé. Vous, et par rapport à des situations qui peuvent être officielles, il y a une belle protection pour vous qui s'active. Capricorne, l'âme et l'homme. Rien n'est impossible ici. Hein. Vous pouvez avoir quand même un petit peu délaissé quelques secteurs de votre vie qui peuvent vous causer quelques perturbations. Donc, il va falloir faire le point, peut-être en relation avec un homme ou une femme, hein, en gardant à l'esprit ce que vous cherchez à obtenir. S'il y a négociation, vous pouvez vous attendre à une amélioration. Mais dans tous les cas, écoutez-vous, écoutez votre instinct, votre troisième œil qui doit rester ouvert. Verseau. Ah, ouf! Je dis ah parce que là, on a l'épreuve et ouf parce qu'on a le soleil. S'il y a eu des sacrifices à faire, c'est la fin de ces sacrifices. Si vous avez eu un obstacle à franchir, c'est la garantie d'arriver à le franchir. Ici, les satisfactions n'étaient pas encore de mise, elles le sont aujourd'hui. Même s'il y a encore quelques imprévus, vous arriverez à vaincre ces épreuves et vous allez en sortir grandi. Et surtout, vous allez gagner en harmonie, en stabilité, en joie et en bonheur. Et enfin, nos poissons. Oh! Il y a de la pénitence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Période peut-être un petit peu difficile. Hein, ce mardi, vous avez peut-être commis une erreur ou un manque d'envie qui fait tout simplement que vous pourriez un petit peu avoir à limiter des dégâts. Il faut regarder sous un autre angle hein, pour trouver comment se sortir de cette petite passe un petit peu délicate. Il se peut qu'elle reste un petit moment, mais vous faites preuve ici de bon caractère, d'ouverture. Vous faites preuve de joie malgré cette pénitence qu'on vous impose un petit peu quelque part.
Donc, on laisse passer l'orage et on attend un joli ciel dégagé. À demain!